puis avec Jacques, pas pour longtemps. Hein? Un petit devinet, créole. Hein? Combien qualité de bois n'en a dans la forêt? Bon, Madame, tout de suite, on a trois qualités. De bois vert, de bois sec, de bois pourri. Et d'un kilo de pain, longtemps, tu connais, tu vends de pain par kilo. Longtemps, longtemps même. Alors, dans un kilo de pain, il y a un mètre, un centimètre, un kilomètre. Ah, ça c'est des devinettes créoles, ça, hein? Alors, comment il fait? Ben, m'explique à Jad, parce qu'il a mis, ouais. Alors, longtemps, tu ne dis pas mon patron, tu dis mon maître. Hein? Alors, le travailler à son maître, il a dit, il donne 5 francs, il a dit, c'est 5 kilos de pain. Il s'en va à la boulangerie, il prend 1 kilo de pain, il retourne. Quand il retourne, il dit, voilà, maître. Bon. Après, il dit, bon, ben, ça, il sent bon, ça? Centimètre. Après, il dit, bon, ben, combien il y a là-dedans? 1 kilomètre. Vous l'avez compris? Alors, maintenant, écoute un coup. Maintenant, un dernier, hein, il raconte à Zad, que ça, il veut dire, toujours un petit devinette. Hein. Oni, écoute à moi bien, Oni, Bani, Citroni, Kalbani, Bari, Kalabaton. Kalazat a un coup là, la Kalazat a un coup là. Il répète, Oni, Bani, Citroni, Kalbani, Bari, Kalabaton. C'est un bout. Il passe, il voit un nid d'oiseau dans l'air, mais dans le fond, il y avait un bassin. Un nid d'oiseau, c'est un pied de citron. Alors le nid frappe. Alors l'île, il dit, oh nid. Quand il voit dans le fond, il dit, bani. Citroni, c'est un pied de citron. Kalbani, et puis devant, il voit un chinois, je ne sais pas s'il y en a là-dedans. Avec un bois à ses épaules, un petit barrique derrière, un petit barrique. Il dit, ah, barrique à la bâton.